Bah, j'ai envie de dire que il faut pas attendre de prendre un but avant de jouer, quoi. On a plutôt réagi qu'agi. En première mi-temps, on était un peu timoré avec le ballon, même si l'Algérie ne s'est pas trop créé d'occasion en première mi-temps. On a su bien les contenir, gérer leur course vers notre profondeur. Mais après, avec le ballon, on n'a pas été assez bon. Et puis, sur une erreur d'individuel, bien sûr, on a ce pénalty contre nous. Malgré ça, j'ai l'impression qu'on a eu plus d'occasions que l'Algérie. Plus franche, en tout cas. Même si l'Algérie a eu l'emprise sur le jeu, a montré plus de tranchant et d'agressivité avec le ballon et plus de confiance aussi. Merci, thank you. Giving the floor to my colleagues, journalists, to ask their questions. Yes? Yes? We'll start there and we come to you. Bonsoir coach, Salah Faisal Al 24 News. Apparemment, d'après les statistiques, l'Algérie a eu plus d'occasions que la Libye. Le match s'est joué sur des petits détails, sur une faute et un pénalty transformé en but. Aujourd'hui, vous avez joué pratiquement, si on voit de là-haut du stade, du haut du stade, pratiquement sur le même, on va dire, la tactique de jeu, presque la même chose. 4-3-3, et quand on n'a pas le ballon, c'est pratiquement 4-5-1. Aujourd'hui, on a vu la Libye encaisser un but, mais vous avez eu du mal pour revenir au score. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de cette équipe de Libye? Est-ce que les automatismes n'étaient pas là, surtout que vous êtes, on va dire, nouveau avec la sélection? Merci beaucoup. Bah écoutez, moi j'ai l'impression de ne pas voir la même chose que vous, mais peut-être que je me trompe à chaud. En tout cas, on a en face de nous un gardien qui fait un arrêt sur sa droite, un tir cadré, et puis il y a aussi ce tir sur le poteau. L'Algérie, j'ai pas la mémoire qu'ils aient frappé au but, mais bon, peut-être que je me trompe aussi. Non, je pense je l'ai dit, défensivement, on a assez bien défendu. Par contre, sur le plan offensif, on n'a pas fait assez, surtout en première mi-temps, parce qu'on a réagi justement après le but. On a eu un peu plus la balle, on s'est créé quelques occasions, mais bon, pour ce premier match du tournoi face au pays organisateur, face à cette pression du public, il fallait qu'on montre plus avec le ballon, et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Mais il reste 2 matchs. Et la qualification est toujours en jeu. Yes, over there. Mamour Djibour, Radio Algérienne. Monsieur Corentin Martins, vous l'avez dit, vous avez fait l'analyse qui était juste. Votre équipe a, je le dis, a refusé de jouer et elle a été plus dans la réaction que dans l'action. Comment vous l'expliquez? Et puis beaucoup de déchets dans le jeu également. On l'a vu notamment sur la première mi-temps, des pertes de balles qui ne s'expliquent pas, des mauvais contrôles. Et puis dès que vous encaissez un but, là, votre équipe a tenté, mais il y avait trop de maladresse. Ce qui m'étonne, c'est quand je regarde la compo d'équipe, on voit à peu près, c'est vous construisez votre équipe sur deux clubs, à peu près, l'Ahli et l'Ittihad, ou avec deux joueurs de Nasr également. Comment est-ce que vous expliquez peut-être ce manque de cohésion dans le groupe, ou est-ce que c'est votre équipe qui n'a pas osé également? Non, ce n'est pas un problème de cohésion, il y a plutôt une bonne cohésion justement dans le groupe. Non, ça s'explique tout simplement le fait qu'on ait été très maladroit techniquement et qu'on n'aurait pas réussi à créer du jeu parce quand on avait la balle, on était trop timoré, il n'y avait pas de mouvement. Ah, je pense que c'est surtout ce premier match face au pays organisateur, face à un stade, dans un stade où il y avait 40 000 personnes. Il faut savoir aussi qu'en Libye, ils jouent devant 0 personne. Donc il y a aussi cette chose-là à négocier, à gérer, qui n'était pas facile. Mais malgré ça, j'ai bien aimé à la réaction du groupe, des joueurs. Donc je pense qu'il faut rester surtout sur le positif, la réaction, et travailler en tout cas sur le prochain match là-dessus. Mais bien sûr que pour gagner des matchs, il fallait en tout cas gagner contre l'Algérie ce soir, il fallait faire beaucoup plus. Et être beaucoup plus adroit et techniquement pour pouvoir les mettre plus en difficulté. C'est le regret que j'ai, c'est cette première mi-temps où offensivement on n'a pas montré ce qu'on était capable de faire. Yes, any more questions?
Okay, so thank you, coach. Thank you very much, and good luck for the next match. Thank you. إذن كان هذا مدرب منتخب ليبيا مارتينز بعد الخسارة مع الجزائر في المجموعة التي تضم أيضا موزمبيق.